Bonjour. T'es toute seule? Qu'est-ce que tu fais là? J'attends samedi. Pourquoi? Mon frère va venir me chercher. Mais on n'est pas samedi aujourd'hui. Bonjour, je suis Pierre Douillet. Je suis le nouveau surveillant. Viens, Pépinard. C'est notre nouveau pion. C'est votre premier poste? Disons que j'ai déjà donné des cours dans un collège privé. Ah bon? De cours de? De musique. Ah. Vous la connaissez, la directrice? Elle joue de la trompette. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a des boniches. Il est venu par la directrice. Ah bon? C'est vous, Pierre Douillet? Oui. Oui, madame la directrice. Oh, madame la directrice, je m'excuse. Vous êtes en retard. On m'a donné mauvais horaire pour l'autocar. L'heure? C'est l'heure. Très bien. Madame la directrice. Très bien, madame la directrice. Oh, moi, bon. C'était un centre de rééducation réservé à des personnes différentes, mais très gentilles. C'est du moins ce que disait l'annonce. Le nom de l'établissement était aussi attirant qu'austère, le centre Tirandaire. Oh, merci beaucoup, madame. Merci. À ton service. Je présente mon nouveau surveillant. Pierre Douillet. Surveillant à votre âge? Oui, mais j'ai déjà enseigné. Bon, alors, parfait. Curmitron, Jean, un peu de respect, enlevez vos chapeaux. Le nouveau surveillant, c'est monsieur Douillet. On arrive. Asseyez-vous. Ça commence bien, Douillet. Félicitations. Hein. Bien. Pour mieux vous connaître, je vais vous demander d'écrire sur une feuille de papier votre nom, votre âge et le métier que vous voudriez faire. Tous rêvaient de métiers fabuleux. Parmi eux, musiciens, nounous, comédiens, footballeurs, astronautes, nageuses olympiques, psychologues, organisateurs de jeux de piste, boxeurs, chauffeurs de bus à la retraite, chanteuses, fumeurs de clopes, éducatrices, médecins, poètes ou jardiniers. Mais pas un seul ne voulait être surveillant. Oh,
avec Orivon. Ouais, ouais. J'ai rien fait, monsieur. Ma parole. Oh, si. Si. Tu chantes. Ah bah, recommence, oui. Pour voir. Il est moulé. Il est moulé comme un grain de couscous. Il est moulé comme un grain de couscous. Il est gonflé comme ta crotte de nez. Il est gonflé comme ta crotte de nez. Eh ben voilà. Eh ben maintenant, allez, ça suffit. Maintenant, on va se coucher, tout le monde dort. Voilà. On a joué. De quel instrument jouait Mac Davis? De la bouteille. De la trompette. Zéro à vos places. Vous me couperez sans voir que Mac Davis jouait de la trompette. Vous pouvez partir. Allez. Ça te sera. Revenez, mon petit. Vous savez que Mac Davis jouait de la trompette? Bah oui, mais c'est comme Pascal Abispo. Allez, chantez. Galante. Abonnez vos cahiers, s'il vous plaît. J'ai vu que vous prenez des notes dans vos cours. Lisez, s'il vous plaît. Madame Dutheil bouffe de la merde par paquet de 10. Ah ouais, mais dis donc, c'est du bon. Je l'ai dit, madame. Monsieur Douillet, action, réaction, au cas où. Allez. Les méthodes humiliantes de l'institution m'étaient insupportables. Comment imaginer construire sa vie avec une éducation aussi injuste et arbitraire? C'était une machine à briser les rêves. Je me mis en tête d'aider ces cabossés de la vie, orphelins ou simplement oubliés, à s'évader, en tout cas par la musique. La pensionnaire qui voulait être musicienne m'a apporté un texte que j'ai immédiatement mis en musique. 30 septembre, début de l'expérience. C'est tranquille, j'étais peinard, c'était le matin. C'est tu qui le mettais, nanana, nanana. Soprano, à gauche. Petit Paul ? Ouais. Laisse-moi t'aimer une nuit. Laisse-moi t'aimer. Oui, c'est presque juste. Alto, à gauche. Je connais pas de chanson. C'est pas grave. Je vais t'en apprendre. En attendant, je te nomme assistante chef de chœur. On sera jamais les scandales des gens bien comme il faut. Je te donne ce que je vaux. Messiado, uniado. Hey, alto, à gauche. Hey. Martino. Laissez-moi danser, châtier, tu n'étais. Laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Ah, d'accord, mais pas en cours. Bon, à gauche. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas, même toi et moi. Alto, à droite. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, en ouvrir l'espace de ses bras pour te reconstruire, le mal à mourir. Je suis pas un héros, Oh, ma chérie Sarah,
Combien de temps sans corps égaré dans la vallée infernale, tout elle s'appelle Bob Moral. Et te tordre des yeux, t'es tenté, t'es brouillard. Qu'est-ce que je sais, t'es été déjà trop tard. Mais je n'y sais pour rien. Sans tes pensées, courbi, puis à peu. Quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Président, prépare-toi. La 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 la. Pas mal. Tu as une voix de baryton. Comment ? De baryton. C'est pas une insulte. C'est quand on chante avec une voix grave. Je vous arrête. Je vais ouvrir ta gueule. Quand tu veux, Teignard. Ce n'était pas du grand art, mais je captais leur attention. On évitait toutefois de se faire trop remarquer par la directrice, même si elle-même était musicienne. Nos répétitions avaient lieu en même temps que ses propres répétitions trompettes, donc on pouvait faire du bruit. Tu as fait moi ? Et des fric. Arrête. Sors-toi tout là, s'il te plaît. Où suis-je maintenant, hein ? Maintenant, tu passes hier. Je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. J'ai pas mes jambes, mais j'ai un cœur. Oui, j'ai un cœur qui rit, qui pleure. Pas d'accord. Maintenant, vous retournez à vos places et vous prenez vos cahiers de calcul. Et comment, c'est vous qui faites chanter les jeunes ? Oui, monsieur, c'est un reproche ? Non, pas du tout. D'ailleurs, moi aussi, quand je peux, je pousse la chansonnette. Enfin, j'essaye. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? La 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 la. Qu'est-ce qu'on attend ? Bonne journée. À vous aussi, je suis collègue. Arithmétique. Page 37. La différence, c'est changer de vie. Être heureuse à vivre sa vie. La différence vient du regard de ces autres qui n'ont pas d'égard, qui nous poussent à fuir et à très loin partir. La différence, ça change tout. La différence. Ça va pas, monsieur ? C'était très bien. Action, réaction ! Avance ! Allez, avance ! Merde ! Allez, avance ! Allez, avance ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a volé ma montre ! Mais attendez ! Et attendre quoi ? Mais allez, c'est mon seul baryton ! Allez, avance ! Toi, t'es mort. Ah ouais. Amour.
faire une pause. La Seigneur que vous cherchez, Notre-Dame bienfaitrice, veut vous rendre visite. La comtesse veut voir votre chorale. Mais c'est formidable. Enfin, c'est bien. Le voisin désire tous ces petits pour être calala. Oui, mais la musique ne nuit pas à la discipline. D'ailleurs, depuis quelque temps, nous avons beaucoup moins de problèmes. Hasard. Bon, je ne crois pas beaucoup au hasard, madame. Justement. Qui dit qu'elle a parlé de cette chorale à la comtesse? C'est moi. Eh ben bravo, hein. Vous avez écrit en vous. Le père Normand a cru bien faire. Silence. J'aime pas vos manières. J'ai l'impression que vous n'aimez pas grand-chose, madame la directrice. Eh ben ouais. Nos chanteurs allaient enfin oser exprimer leur liberté. À l'approche du concert, quelques balades en nature nous ont aidés à oser. Notre audace allait payer. Tenez, c'est pour vous. Madame la comtesse, j'avais Monsieur Douillet qui peut chanter cette chorale. Mes hommages, Madame la comtesse. C'est vous qui avez cette idée de chorale? Non, Madame la comtesse, c'est moi. Et je suis très heureux de travailler avec une directrice aussi compréhensive. Allez, faites légender. C'est une composition originale de Mademoiselle Clément. Avec nos corps faibles, qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas et qui ne voient pas. Et la société sépare, la différence on en a marre. Que c'est pas bien, c'est interdit. Moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Comme les autres, il peut couler, ma tête sait marcher, même si j'ai pas de métier, je veux pas être jeté. Vous, Normand, vous m'avez pas prévenu, vous connaissez la loi. Vive au pied, il est pas rigolo. Vous, Douillet, vous êtes renvoyé. Votre chorale, vous l'avez bougé les yeux. Dégagez. C'est comme ça que je m'en veux aussi. C'est bien gentil de votre part, Père Normand, mais je crois qu'on a encore besoin de vous ici. Pensez aux jeunes, puisque cette dame n'y pense jamais. Vous partez immédiatement et interdit de voir un élève. Madame la directrice, permettez-moi de vous dire ce que je pense de vous. Vous êtes une femme incompétente et profondément méchante. Vous êtes un musicien raté. Allez, au bien. Je le quitte au contraire. J'avais 4 jours pour faire ma valise. Je choisissais de partager uniquement des moments de jeu et d'insouciance avec eux. Alors, Cœur Mitron, oui. T'es pas pupitre aujourd'hui. Oui. C'est repos, hein? Ah, ouais, tiens.
bonheur de te taire. Mais ils sont enfermés. Mais nous, on est bien qu'ils sont enfermés, des petits cons. Semaine après mon départ, le centre a été inspecté par la direction des affaires sanitaires et sociales. La découverte du cachot et le témoignage courageux du père Normand a précipité les autorités à fermer le centre pour maltraitance. La directrice fut incarcérée pendant 3 mois. Quant aux pensionnaires, ils m'ont retrouvé rapidement grâce à leur éducateur. Cette rencontre chargée en émotions s'est vite transformée en répétition chorale pour le bonheur de tous. Et l'aventure n'allait pas s'arrêter là. Et à très lointain vu, la différence, ça change tout, la différence. Un peu d'amour, la différence, ça change tout, la différence. C'est vivre ensemble, c'est tout. La différence, c'est savoir choisir. Éclaire le monde jusqu'en bonheur. La terre est pour nous.